Bienvenue sur Info City TV pour le pays de la Zorn, mais aussi, et c'est une première, pour le Vorarlberg, car nous allons parler tourisme en compagnie de la directrice de l'office de tourisme, Marie-Hélène Materne. Bonjour, Madame Materne. Bonjour, monsieur Gare. Alors, pour la première fois, nous ne ciblons pas exclusivement les habitants de la Zorn, mais aussi ceux du Vorarlberg. Expliquez-nous pourquoi, Madame Materne. C'est assez simple en fait. On est ici dans mon bureau à l'Office de tourisme et d'attractivité du Vorarlberg, qui, depuis l'an passé, travaille également pour le pays de la Zorn. Les deux territoires de la Zorn et du Vorarlberg sont-ils, selon vous, concurrents ou complémentaires dans l'offre touristique? Alors, vraiment, si on s'en tient à l'offre touristique, non, clairement, ce sont des territoires qui sont complémentaires. On assiste à une vraie continuité paysagère. Lorsqu'on va de Rohr à Schaffhouse, par exemple, il n'y a pas de limite, on ne traverse pas une frontière, les choses sont très fluides. Nos paysages ne sont pas si différents que ça. Il y a même un côté beaucoup plus presque bucolique du côté du pays de la Zorn encore que dans le Vorarlberg. On a des marqueurs urbains qui sont similaires. Nous avons parfois ces très grosses fermes à colombages dans nos villages. Le touriste n'est pas dérouté en fait en passant d'un territoire à l'autre. On a aussi un positionnement géographique qui est intéressant d'un point de vue touristique parce qu'on est entouré de grands pôles comme Strasbourg, Saverne ou Haguenau. Et du coup, pour le touriste, c'est intéressant de venir ne serait-ce que loger dans nos territoires parce qu'il est proche finalement de tous ces grands sites. Après, on a une vraie similitude en matière d'offres d'hébergement. On a beaucoup de propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes. Donc ça, c'est aussi une vraie similitude qui va dans le sens d'une coopération de nos deux territoires. On est dans un espace de découverte du coup, dans lequel le touriste peut s'occuper aussi plus qu'une journée. Parce que Villa Météor, Maison du Vorarlberg, balade, exploitation agricole à découvrir, etc. Donc on arrive à garder chez nous le touriste sans aucune difficulté, au moins une journée, voire plus. Et puis dans nos deux territoires aussi, cette volonté de développer le tourisme, elle est toute jeune ou naissante. Et du coup, ben, on démarre sur un même pied d'égalité et c'était intéressant d'arriver à regrouper nos deux territoires assez vite parce que l'Office de tourisme a ouvert ses portes il y a maintenant 2 ans, presque 3, et en fait, voilà, il est tout jeune. Et puis de rejoindre le pays de la Zorn, c'était tout à fait cohérent puisque là-bas aussi, la politique de développement touristique était naissante. Est-ce que l'on connaît l'origine des touristes qui viennent dans la Zorn et dans le Vorarlberg? Alors, c'est beaucoup d'Alsaciens. Les Alsaciens sont en général les premiers clients des offices de tourisme en Alsace. Alors ça, on le sait assez peu, mais c'est une vraie réalité. Il y a aussi beaucoup de Haut-Rhinois qui découvrent le Bas-Rhin, des gens d'Alsace du Nord qui viennent un peu en Alsace centrale et y compris dans nos territoires pour les découvrir. Donc, évidemment, la population qui transite par l'office, elle est d'abord régionale et elle est ensuite française, clairement. Avec essentiellement les régions du nord et les régions de l'ouest de la France qui viennent nous visiter. Et puis ensuite, on a aussi, bien sûr, les Allemands, les Luxembourgeois, les Belges, mais évidemment dans une moindre mesure par rapport aux Alsaciens. Votre mission est d'attirer les touristes extérieurs, mais avez-vous aussi quelques idées de sorties, de balades, de randonnées pour les citoyens de la Zorn et du Vorarlberg? Oui, bien sûr, on a nos deux pépites touristiques qui sont la Villa Météor et la Maison du Vorarlberg. Mais en termes de balades, je citerai les deux plus emblématiques à mes yeux. D'abord, le sentier de découverte du houblon à Wingersheim, parce que ça, c'est exceptionnel. Et contrairement à ce que les touristes pensent, ce ne sont pas des grandes vignes. Les gens nous demandent c'est quoi ces grandes vignes? Non, ce n'est pas des vignes, ce sont des houblonnières. Donc ça, c'est important. Et puis, c'est bien que l'Alsacien aussi prenne le temps de découvrir ce patrimoine agricole, notamment ces houblonnières qui sont tout à fait spécifiques à notre territoire. Et puis ensuite, un autre sentier qui se situe du coup côté Vorarlberg, mais autour du Vorarlberg et de cette colline du Vorarlberg qui culmine à 301 mètres d'altitude, avec un sentier balisé de 8 km qui permet la découverte des villages de Nagertheim, Wilgotheim et Havenheim, et puis une vue imprenable sur la plaine d'Alsace qu'on a depuis cette colline du Vorarlberg. Qu'en est-il des deux principales destinations touristiques, la maison du Vorarlberg et la Villa Météor? Alors, toutes les deux sont encore fermées pour le moment. Mais la maison du Vorarlberg, elle est en cours de montage de son exposition temporaire dédiée à 1891, qui devrait pouvoir réouvrir du coup dans les semaines à venir. Et la Villa Météor nous a annoncé sa réouverture à compter du 24 juin, mais dans des conditions un peu particulières, puisque l'ouverture se fera et la visite se fera sur réservation et avec de nouveaux horaires.
J'ai vu sur votre site une offre pique-nique. De quoi s'agit-il? Alors justement, pour répondre un peu à cet engouement pour les balades, et notamment cet engouement des urbains peut-être qui entourent le Korsberg et le pays de la Zorn, nous avons souhaité proposer une offre pique-nique. Le principe, il est très simple. C'est voilà, on nous annonce du beau temps jeudi soir, on se dit, tiens, vendredi, on pourrait aller se balader, et ben hop, je passe un petit coup de fil au producteur ou au restaurateur qui participe. Il me prépare mon pique-nique et avant de commencer ma balade, je vais récupérer mon pique-nique chez le producteur. Que se passera-t-il pour la cinquième année consécutive pour le programme des visites guidées à la ferme? Nous avons des nouveautés cette année, notamment une sortie à l'éveil de la nature. Donc ça, c'est pour les plus matinaux d'entre nous, puisque la sortie se fera à 5h30 ou à 6h en fonction du mois. On aura une sortie photo. Nous avons des nouveaux producteurs aussi qui ont rejoint la dynamique, notamment Mille et une coquilles à Ettendorf ou encore le rucher d'Anne-Marie à Bossendorf. Et surtout, ben, on peut continuer de compter sur un noyau dur d'agriculteurs qui est là depuis le début, depuis la première édition. Donc le programme est maintenu, évidemment. Il sera, si les modalités du gouvernement ne changent pas d'ici là, limité en termes de taille de groupe. Mais on espère que les phases de déconfinement qui arrivent vont nous permettre de retrouver des tailles de groupe un peu plus normales et un peu plus classiques. On veillera de toute façon à la sécurité, et c'est primordial, de nos visiteurs. Nous étions en compagnie de Marie-Hélène Materne, directrice de l'Office de tourisme pour le Korsberg et le Pays de la Zorn. Merci, Madame Materne. Merci beaucoup, Monsieur Gare.